Ouais, non mais... Oui, très bien, bien sûr. Ah bah oui. Allez, on va relancer la save, hein. Bah c'est justement pour ça qu'on va relancer la save, parce que j'ai pas envie de perdre mon... Non, 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 non. Tu vas sortir. Oui. Ça, c'est hors de question. Je l'ai tenté, mais je savais que c'était une connerie, donc... Je vais pas abuser des saves, je vous préviens. C'était vraiment... exceptionnel. Si on perd, on perd, hein, mais... Mais pourquoi? Ça a sauvegardé quand même. Ça a sauvegardé quand même. Ok, bah tant pis alors. On va se promener, on va continuer à se promener. Mais je te défonce, mais tellement violemment toi, t'as pas idée quoi. Je te défonce! Bon, t'as esquivé, mais je te défonce quand même! Je te jure! D'où le fait que j'ai plus de morts que de niveau. Oui, c'est pas faux. T'es mort 3 fois déjà. Ah non! Ah non! Non, non, non! Non, 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 non! Ça va pas se passer comme ça, mon bon ami! Attends, non, non, tu commences pas à me faire des saignements ou je sais pas quoi là, c'est bon. Ne serait-ce pas là un marchand? Ah non mais putain je suis con. Ne serait-ce pas là un marchand? Non, c'est Benzaï. Et merde. Si j'avais fait attention, j'aurais pas amené mon perso là. Putain mais il va être où le truc? Je te jure, il va falloir se faire toutes les cases du jeu. Nice day! Plus de... On va faire le tour du monde. Le problème, c'est que tu... Si tu veux, ça ne marque pas ta progression. Donc tu sais pas où t'as déjà été, quoi. C'est... Allez, je me sens chaud, mais par contre... Je suis comme Gandalf, quand je meurs, je reviens plus fort. J'espère pour toi. Ok, ça va être un peu long. Steadfast! Blep! Le bison tort. Je sais pas, ça me fait marrer. Esquive! Oh, mais qu'est-ce que t'es bon, Vincent! Ouais, bon, par contre, faut taper un peu plus fort, ma poule, hein. Blep! Ok. La survivance! Steadfast! Prêt! Allez, casse-lui la margoulette! Steadfast! Prêt! Oh, mais j'adore, c'est trop bien! Tu peux faire ça à chaque fois! Ah non, tu peux pas. Tu peux pas. Par contre, logiquement, si tu le termines, tu devrais quand même gagner pas mal d'XP. Esquive-le. Je te jure, esquive-le. Putain, heureusement qu'il a pas fait un parfait. Hein. Allez, tu peux lui mettre au moins 2 PV là. Oui! Oui! C'est le win! Oh, 21 gold! Ah, ça valait le coup quand même. Hein. Ah non mais ouais, tribute quoi. Full focus, c'est bien, j'aurais préféré un peu de PV. J'ai aucune idée de où ça va être. C'est un vrai problème. Hein. Là on est un peu dans le caca. Alors...
Ah, c'est la merde. Je suis en train. Je sais pas si vous voyez, hein, mais on a déjà niqué 6 rounds hein, avec ça. Quoi, la barre des dons cache un peu les PV des adversaires? Et c'est maintenant que vous me dites ça, après 1 h 30, quoi. Merci les gars. Ouais, du coup, je sais pas trop où je vais la mettre, Coco. T'es mignon. Je vais la mettre un peu plus basse. Et ça, je vais le mettre par là. Ok. Donc, nous disions. Bah, il suffirait que la barre de dons soit complètement remplie pour qu'elle l'enlève, c'est pas plus compliqué. T'es mignon. Ils sont mignons. Alors, ouais, c'est un peu chaud patate là, on est un peu loin. Mais c'est pas ça que je cherche, arrête de me mettre des musiques de gros conquérants là, je m'en fous de tes catacombes. Non, non, tu vas à Paris, s'il te plaît. Tu vas certainement pas aller là. Mais j'aimerais bien aller par là en fait. C'est un bordel. C'est Gauze. C'est une ville! Incroyable, une ville. J'ai vu un joli bouclier. Bon, après, je sais pas s'il fait quelque chose ou s'il est juste joli, quoi. Qu'est-ce que. La short spear est pas mal parce qu'elle fait du perçage d'armure, mais c'est pas trop pour lui. Plus 1 armure, plus 3 résistance. Et là, Vincent, il a quoi? Ah, plus 1 armure, plus 1 résistance. Donc, ça peut être intéressant. Plus 2 résistance, plus 2 évasion, plus 2 awareness. Plus 5 d'armure, plus 3 de résistance, c'est 74. C'est un peu cher. Ça sera pas pour tout de suite, quoi. Bah, je vais acheter ça. Je vais acheter ça. Et puis, on va sortir de là. Il nous reste 4 déplacements. Le bison Thor en solo, ça va être un peu chaud. Le troll des forêts, ça peut se faire par contre. En embuscade. Voilà, parce que hors de question qu'il soit avec un pote, lui. Parce que vu les potes qui se trimballent. Popopo! Et en plus, je suis assommé. Voilà! Très bien! Une hache de troll. Wasting. Ah oui, mais ça enlève 5 de speed. Ouais, bah collecter, mais je pense pas qu'on va s'en servir. Hein, parce que moins 5 en speed, ça fait beaucoup quand même, moins 5. Ça va, j'ai eu de la chance. Ça ne m'a rien fait. Ça me fait chier! Jamais je vais le trouver ce truc! Je suis déjà passé à plein d'endroits en fait, c'est un peu le souci là. Ah! Coucou!
Oublie du calme. Mais non, je veux pas me calmer. Je suis en train de perdre des tours et des tours et des tours pour... pour de la merde. Allez, toi tu vas te soigner. Et tu vas aller acheter des trucs. Alors, on va prendre ça qu'on va acheter pour Benzaï. Et de toute façon, on peut rien prendre d'autre. Bon, et ben c'est très bien. Je sais pas s'il faut pas que je me batte avec d'autres bestioles pour découvrir le truc qui me manque. Ah, c'est vraiment chiant. Ça découvre pas. J'essaie d'aller sur toutes les cases où on n'a pas été. Ça me fait chier! Est-ce que c'est possible, par contre, je ne sais pas ça, que les ennemis soient positionnés sur des cases. Les ennemis soient positionnés sur des cases où il y a des bâtiments ou des trucs comme ça, j'en ai aucune idée. Bon, ça, je pense que pour YouTube, je couperai au montage parce que c'est vraiment le moment relou, quoi. Il se passe rien. Allez, on lui casse la gueule. Là, on commence à avoir un... bon stuff, à part peut-être pour le mage qui a pas trop changé de stuff depuis le début, c'est-à-dire qu'il a toujours son arme de départ. Putain, mais Benzaï, il prend des claquouses, quoi. Après, il met des bonnes claques aussi, hein, mais il faudrait monter un peu son armure. Esprit! Oh, bâtard, d'où t'as bloqué? On la voit, la flèche, elle est en plein dans ton cœur là. Enfin, si t'es normalement constitué, elle est en plein dans ton cœur. Après, c'est un bison qui se tient debout, hein, peut-être pas forcément bien constitué. On va être en solo là. Que ça commencerait à me faire chier. Hein. Ok. Je sais pas si c'est une vraie indication ça. On va tester. On va tester un truc. Est-ce qu'avec le vision. C'est ça qu'on cherche. Yes! Allez, go. On y va tous. On y va tous. Bâtard. Gros bâtard. Il m'a fait perdre des tours.